Moi, c'est un doutou. Hein? Oh, t'es fin d'être venu souper avec moi. C'est le médium qui m'a stressée. Il avait les yeux fermés, il a l'air d'avoir mal à la tête. Il s'est quasiment étouffé. J'en reviens pas que t'es amené là. Mais je veux bien faire. Elle veut travailler plus pour renflouer ses coffres. Mais elle ose pas me laisser toute seule le soir. Son médium vous a pas rassuré pantoute? De toute façon, je pense pas que Benjamin serait revenu ici. Il devait bien se douter qu'il est recherché. Mais c'est ce que je pense, moi aussi. Avec un fou de même, là, il faut se méfier. Hein. Des fois, je me demande si j'ai entendu cogner pour vrai ou si j'ai juste entendu ça dans ma tête. Tiens, ça va te relaxer. Ça se passe bien avec Napoléon. Oui, oui, oui. Il aurait voulu venir souper, mais il y avait un travail d'équipe à faire à l'école. Avec Samuel? Non. Non, avec une fille de son groupe d'anglais, Bérénice. Une histoire d'amour? Je sais pas. Je pose pas de questions. C'est pas de mes maudites affaires, il paraît. Je pense qu'il fait tellement attention à moi que toute sa colère d'ado, c'est toi qui la reçois. Ah, oh, j'ai fait un autre sac de jouets pour le bébé d'Ariane. Vas-tu qu'elle va le prendre? Ah, c'est sûr. Tellement contente de ce qu'on lui a apporté. Valérie aussi est très reconnaissante. Ouais, je te dis, t'es pas mal fin avec tes ex. Toujours là pour moi, puis t'aides la fille de Valérie comme si c'était la tienne. T'es comme un bon vin, Pierre. Plus tu vieillis, plus tu... Arrête. C'est pas parce que je veux pas de compliments, mais je veux pas qu'on me rappelle que je vieillis.